retrouve avec Corentin et Océane pour un crash test. Un crash test de quoi? Super Sand. On va essayer de faire du Super Sand 100% alimentaire, les amis. Donc, ce Super Sand qu'on peut mettre à la bouche. Alors, c'est une recette qui a été faite par une autre chaîne YouTube qui est abonnée à notre chaîne, qui s'appelle Pâtisse et Patouille. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir sa recette aussi. Elle l'a fait l'autre fois, j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, oh, bah, je la testerai bien, elle m'a dit, avec plaisir. Donc, du coup, on va tester ça en vidéo. Alors, on y va. Alors, pour cette recette, enfin, ce crash test, qu'est-ce qu'il vous faudra? De la farine et de l'huile de tournesol. Voilà, donc en fait, de la farine, il faudra 4 mesures de farine pour une demi-mesure. Et un saladier. Oui, et un saladier pour une demi-mesure d'huile seulement. Donc voilà, il faut pas grand chose comme ingrédient. De tournesol. Donc du coup, ce qu'il y a bien, c'est que les plus petits peuvent le faire parce qu'ils peuvent mettre, ils aiment bien mettre les choses à la bouche. Donc là, ça ne craint rien. Je garantis pas que ce soit bon, mais ça ne craint rien pour la santé. Ok. Alors, comment on procède à cette recette alors? Alors, maintenant, on va verser toute la farine. Alors, pour commencer, c'est la farine, ok. Et toute la farine, on verse dedans? Oui, oui. Tout? Ok, bon, tout. Après, je ne sais pas si elle avait fait pareil, il ne me semble pas qu'elle avait fait pareil, mais bon, on fait à notre manière, mais on prend exactement les mêmes ingrédients que toi. Et là, on va mettre un tout petit peu d'huile de tournesol, mais vraiment un tout petit peu. Du coup, on va pas tout mettre. Bah non, si c'est un petit peu, c'est pas tout. Voilà. Et maintenant, on va remuer? Bah ouais, je crois qu'on va remuer avec les mains. C'est plus marrant avec les mains. Comme la plaie d'eau. Ah ouais, ça fait pareil. Ah oui, c'est mieux à genoux, mais Loulou, t'es un peu petite, toi. Moi, j'en fais les poupées. Ah, ça fait pareil que Super Sand. Bah, c'est un peu le but recherché, hein. Ah, mais là, on dirait que tu mets les mains dans du vrai. Ah ouais? Mais c'est tout doux. C'est tout doux. Après, s'il n'y en a pas assez, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile, ainsi de suite. Ouais, parce que là, ça se casse très vite. Donc, tu veux que je rajoute, mon loulou? Non. Bon, bon, non, vous pouvez faire tout seul, remarquez. On va mettre un tout petit peu pour voir. Alors ça y est, les loulous, c'est terminé? Oui. Ouais. Alors regardez ce que je vous ai nettoyé. Alors j'ai des bacs, bien sûr, parce qu'on a du Super Sand à la maison. Donc on a récupéré les bacs qu'on a nettoyés, ils sont bien bien propres. Et on va transvaser tout ça à l'intérieur. Moi je fais comme ça. Ouais, bah vite tout dedans. Et toi aussi mon loulou, vas-y. Where's Brunette? Alors ça y est les loulous, donc on a tout mis dans les bacs et puis comme vous pouvez le constater, on a récupéré tous nos moulages, enfin pas tous, hein, on en a encore, mais de Super Sand pour tester tout ça. Donc on va faire un petit gros plan quand même pour voir comment ça fonctionne vraiment. Hein. Pour le moment la boule... Avant la boule, elle était pas aussi facile à sculpter. Hein. Ah ouais, franchement ça fonctionne bien. Hein. Alors je vais me rapprocher un petit peu puis on va voir, comment ce que ça donne.
Océane, est-ce que c'est validé ce crash test? Ouais? Tu veux voir un peu cette tête, cette belle boule que tu as fait? Waouh! Waouh! Regardez les amis! Si c'est pas une super boule ça? Waouh! Il t'a fait une super glace aussi! Voilà, hop! Et fais voir ta super glace alors! Waouh! Il donne trop envie de la manger hein! Et Corentin, toi t'es en train de faire quoi? Aussi une glace, mais sauf que moi j'en mets l'air pour pas que ça tombe. Ok, mais toi t'en as plein le bout du nez hein. Alors c'est bien, mais ça craint rien. Oh les amis, pour moi aussi c'est validé. Franchement, merci à Patouille et Baptiste de nous avoir fait. De nous avoir fait découvrir cette recette qui nous a vraiment plu. On la refera. C'est sûr qu'on va la garder de côté. Waouh, trop beau. Alors pour moi aussi c'est validé. C'est super simple à faire. C'est super pas cher en fait. Parce que tout le monde, et puis tout le monde peut le faire. Hein. Vous avez tous de la farine et de l'huile dans le placard. C'est obligatoire les enfants. Donc vous pouvez le faire. Demandez avant de le faire bien sûr la permission de vos papas et de vos mamans. Parce que ils risquent de pas être trop contents du résultat sur la table après. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais demandez bien la permission de le faire. Alors pour nous c'est validé. Il y a juste un petit bémol. C'est que ça marche très bien avec les formes simples on va dire. Comme des sphères. Du cylindre, enfin des formes comme celle-ci, mais c'est un peu plus compliqué avec les formes, avec un peu plus de détails comme celle-ci. Avec bon, des détails. Voilà, donc comme celle-là, c'est un peu plus difficile, mais bon, le principal c'est que ça fonctionne avec les autres moules, donc c'est super. Et puis tout le monde n'a pas les moules super simples non plus à la maison, donc vous pouvez prendre des verres, ça fonctionne très bien, des verres, des bols, des coquillages si vous êtes allé à la mer, même les moules de la mer aussi. Et même de prendre... la piscine. À la piscine, non, on n'a pas de moulage, à la piscine. On pouvait vraiment faire ça avec des verres, des bols, des assiettes, des ce que vous voulez. Demandez bien la permission à vos parents avant de le faire. Alors, pour nous c'est validé. On adore, franchement on adore, Corentin, on est en train de s'éclater, donc nous on va terminer cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo, nous dire si vous allez faire la recette, si vous en connaissez une autre. Si vous avez à faire, si ça vous ferait plaisir, notre recette de ce style aussi. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Patisse et Batouille qui sera dans la description. Je vous mettre parce que ça vient, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est leur recette. Donc merci à elle de nous avoir demandé de la faire aussi en vidéo. Et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait le gros bisous. Et là, bisous. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. Là, il y a un escalier. Ah oui, un escalier. Trop beau. Bisous, les amis. Ciao, ciao.